a même pris le plan de succession au sein du MPP parce qu'aujourd'hui, un homme charismatique et brillant comme Sina Zerbo, s'il venait donc à réussir sa mission, c'est-à-dire sortir le Burkina du trou, ça veut dire que désormais, il mettra les Burkinabés dans une dynamique de choix sur des critères de compétences. Il ne sera pas une question de parti politique, mais les Burkinabés seront engagés désormais sur des choix portés sur donc la compétence. Donc à ce niveau, je pense que c'est le président du FASO, je le répète, a fait un choix judicieux. C'est un pas important c'est un pas important pour permettre au Burkina de sortir du gouffre parce que le pays est véritablement dans le gouffre. Toutes les grandes villes sont désormais encerclées par des groupes terroristes et Lassine Azerbo porte désormais l'espoir de tout un peuple sur ses épaules. Justement, Abdoulaye Bari, peut-être comment arriver à peut-être déconnecter avec cet appareil qui commence à prendre de l'eau aujourd'hui. D'abord, on sait que Lassine Azerbo et le président du FASO, le président Kabore, ont de très bons rapports, ils ont de très longues relations, ils se connaissent, ils sont très amis. Et Lassine Azerbo, c'est un homme compétent. On ne va pas dire qu'il a une certaine ascendance sur le président, mais c'est un homme qui est capable de tenir un discours devant le président du FASO. Il n'ira pas faire des courbettes devant du FASO, ça c'est important. Et en même temps, la confiance entre les deux personnes, la compétence de l'homme constitue des gages importants vers la quête de solutions pour le Burkina. Mais ça ne suffira pas. Il ne suffira pas d'avoir trouvé le meilleur premier ministre du monde pour résoudre les problèmes du Burkina. Il va falloir aussi trouver une équipe dynamique, une équipe opérationnelle, comme on le dit. Mais il faudra à Lassine Azerbo de l'humilité pour pouvoir conduire l'administration publique burkinabé, parce que de l'humilité, on en a besoin à ce tournant décisif de l'histoire du pays. Dieudonné Zoungrana. Oui, parole crédible, et effectivement, sa parole est crédible, mais moi, je répète, j'attends de voir ce que sera vraiment l'équipe resserrée là pour pouvoir me prononcer. Il a fait un bon choix, c'est un choix technocrate, de technocrate. Il a préféré ne pas, si c'était Zéphirin, ça allait être le technocrate et le politique. Il a préféré carrément miser sur le technocrate. Mais moi, j'attends de voir l'équipe gouvernementale. Et Bari le disait, si dans la formation du nouveau gouvernement, tout change pour que rien ne change et qu'on retrouve les mêmes têtes et que vraiment, il n'y a pas fondamentalement un changement, ça va être difficile au docteur Lassina Zerbo de cornaquer cette équipe-là vers des rivages prometteurs. Pourquoi le président du FASO a parlé, Dieudonné Zoungrana, de resserrement. Oui, mais quand on dit resserrer l'équipe, bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Resserrer, peut-être, je comprends mal, peut-être que un homme ou peut-être, je ne sais pas, il y aura des ministères qui seront regroupés, où on va faire de grands ministères, où on va supprimer les ministères délégués. Je n'en sais rien. Mais je veux dire, peu importe, je veux dire, il faut qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Si jamais, parce qu'aujourd'hui, s'il y a ce problème aussi, c'est qu'il y a quand même des membres du gouvernement qui sont décriés. N'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont décriés. Alors, ils sont décriés pour X ou Y raison, vrai ou faux. En tout cas, il y en a qui sont anathémisés. Donc, peut-être que le président peut faire le choix de les laisser. Mais je pense que s'il dit que, en tout cas, il va faire un gouvernement resserré et qu'il va revoir l'équipe de fond en comble, c'est que quand même, il ne faut pas que, comme je dis, tout change pour que rien ne change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un jeu de chaise musicale. On fait des permutations, on change un tel, un tel. Mais en fait, il y a des gens aujourd'hui, comme on dit, dans l'armée, qui sont arrivés à leur niveau d'incapacitation. Dans l'armée, quand on envoie un militaire pour une mission, et il y a des moments où son supérieur hiérarchique se dit, ce militaire-là, il a fait ce qu'il a pu. En fait, il ne peut plus faire plus que ça. On doit le dégommer. Il y a des ministres aujourd'hui qui sont arrivés à leur niveau d'incapacitation. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire plus. C'est-à-dire qu'on pédale dans la choucroute. Donc, si tout change pour que rien ne change, j'ai bien peur que Lassine Azerbo, il a beau être un démiurge, ça va être difficile qu'il puisse vraiment cornaquer l'équipe-là vers des rivages prometteurs pour le Burkina Faso. Abdoulaye Bari, le premier ministre est connu. Qu'est-ce qui reste? Bon, il reste évidemment une équipe gouvernementale, donc on va dire
qui incarne donc, qui s'inscrit donc dans la suite logique des critères qui ont prévalu donc au choix du docteur Lassine Azerbo, c'est-à-dire le choix de la compétence, le choix de l'excellence. Évidemment, moi je vais un peu comparer le portrait robot du Premier ministre et du Président, ce que doit être donc finalement ce profil aujourd'hui, au début des années 60 au Sénégal. Vous avez un penseur qui dit qu'on a besoin d'un président qui incarne donc la nation et d'un premier ministre qui incarne l'État, c'est-à-dire la République. Aujourd'hui, il est important que les deux personnalités de la République, le président du Faso et son premier ministre, soient en tandem véritablement. Ce n'est pas parce que le président du Faso a trouvé un excellent premier ministre qu'il va croiser les bras. Parce que ces derniers temps, l'histoire nous a démontré qu'il était un peu déconnecté, ce n'est pas une insulte, qu'il y avait beaucoup d'informations qu'il n'avait pas sur l'armée, sur le fonctionnement des choses, mais il semble avoir repris les choses en main. Il lui faut être la véritable locomotive parce que, je le dis, le Burkina a un tournant crucial. Donc, il ne faudra plus dormir. Comme on le dit, il a reçu beaucoup de messages ces temps-ci et tout le monde lui dit il faut balayer. Il faut balayer parce qu'on ne peut pas continuer à faire la politique 365 jours sur 365. Il faut choisir des gens sur des bases claires et objectives, sur les bases de compétences, sur les bases de l'éthique, sur les bases de la vertu. On ne peut plus faire la politique dans un pays qui est en train de tomber sous nos yeux. Il faut que ce soit des choix vertueux. Oui, oui, mais je nuance quand même ce que Barry a dit, que le président, les deux têtes de l'exécutif, c'est vrai, ils doivent être en osmose. Mais je pense que avec ce choix de Lassine Azerbo, le président doit quand même un peu aujourd'hui se mettre un peu en retrait. Je m'explique. Se mettre en retrait, ce n'est pas se déconnecter. Mais je crois que ces derniers temps, il a été trop sur le pont. Ce qui fait que et la fonction présidentielle a un peu été dévalorisée. Ce n'est pas une insulte aussi, mais quand vous savez que toute communication a son revers, pour une petite peccadille, c'est le président du Faso qui sort pour un peu parler. Mais où sont les ministres? Où est le premier ministre? Je pense que s'il doit être en tandem avec c'est lui donner les indications, les directives, et aujourd'hui, c'est quand même, l'exécutif, c'est le Premier ministre qui doit être à la baguette. Le président, il donne les directions, il indique où on doit aller, il indique le cap et il veille à ce qu'on s'y maintienne. Et c'est Lassine Azerbo qui doit impulser justement ce cap. Parce que si aujourd'hui, le président, je ne dis pas qu'il doit vraiment inaugurer les crises d'antenne, rester là, mais je pense que ces derniers temps, on l'a trop vu. Et j'ai été le premier à dire qu'il faut qu'il abuse totalement la fonction présidentielle. Parce qu'il y avait une sorte de vacuité, de vide dans la fonction. Il faut qu'il occupe totalement Kossiam, pour un peu prendre une image. Parce qu'il faut qu'il occupe, ça veut dire qu'il faut qu'il habite la fonction présidentielle. Soit, mais habiter la fonction présidentielle aujourd'hui, ce n'est pas être là au-devant des choses et tout le temps apparaître. Il a été trop sur les ponts, à mon avis, et pour un rien, deux syndicats même qui se battent, bon, ils disent que non, on ne veut pas du ministre de tutelle, on ne veut pas du premier ministre, mais on veut que le président sorte. Je crois qu'après aussi, ça dévalorise la fonction présidentielle. Donc je crois aujourd'hui que c'est Lassine Azerbo qui doit être à la tête et qui doit vraiment exécuter ce que le président lui dira de faire. Oui, oui, Barry. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Moi, je parle de la présence du président dans l'action pour être la véritable locomotive. Parce que c'est lui qui a été élu par les Burkinabés. C'est lui qui a prêté serment qu'il va assurer aux Burkinabés la sécurité. Mais c'est ça, je parle des directives, Monsieur Barry. Et défendre l'intégrité nationale. Le cap. Évidemment, oui. Je ne parle pas de la communication. Il peut agir sans être hyper médiatisé. Ma conception du pouvoir répond... Ma conception du pouvoir est celle de De Gaulle, c'est-à-dire la distance et le prestige, parce que le président doit se mettre au-dessus de certaines choses pour agir. Évidemment, aujourd'hui, lorsque je dis que le président doit incarner la nation, parce que la crise n'est pas que sécuritaire, elle est multidimensionnelle, il faut que le président gère des questions liées à l'unité nationale, à la cohésion sociale. Son tempérament est un gage important quant à la construction de l'unité nationale, et c'est un élément important de son serment
devant le peuple burkinabé et je dis le Premier ministre doit incarner l'État, c'est-à-dire la grandeur et la dignité de la République, parce que nous avons vu des ministres dans ce pays qui n'ont pas la conscience nécessaire, n'ont pas la grande conscience de la grandeur et de la dignité de la République, c'est-à-dire incarner ces valeurs-là à leur fonction. Donc qu'ils dirigent et qu'ils gouvernent. Oui. Mais quand je parle de cap, oui, je parle de cap, je n'ai pas parlé de communication pour dire, mais je veux parler de cap. Le cap, c'est quoi? C'est le président qui le trace et qui indique voilà où on va. Mais quand vous parlez de prestige, je vous prends au mot, mais vous savez qu'un président, à force, il est sorti trop. Regardez Solahan, il est sorti. Et Inatan, il est sorti deux fois. Le 17 novembre, après un conseil de ministres. Le 24, son discours nocturne à 23h30, il est sorti. Bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de communication. Et quand vous parlez de prestige, dès lors qu'un président, tout le temps, envoie sa tronche, tout le temps à la télé ou quelque part, après, ça diminue ce prestige-là. Ce prestige s'étiole quand un président est surmédiatisé. Et c'est ça, je dis, je ne parle pas de communication. Non. Et quand vous parlez d'État et tout, quand il indique le cap, ce n'est pas, je ne dis pas de visuel, mais ça veut dire qu'il impulse une direction, et c'est vers cette direction que le gouvernement doit aller. Oui. C'est ce que et je veux dire. Parlant de gouvernement, Abdoulaye Barry, vous susurrez que d'ici à dimanche, on aura un nouveau gouvernement. Mais avant, je voulais encore dire que le Zungra ne me laisse pas. Oui, mais lui et moi, on ne parle pas de la même chose. Lui, il critique l'hypermédiatisation de Burkina. Moi, je serais. Vous devez parler de pression. On se comprend bien. Je peux terminer, s'il vous plaît. Moi, je ne parle pas de l'hypermédiatisation de Burkina. Et pour du président, je ne parle pas de l'hypermédiatisation du président du FASO. Je serai à la décision aujourd'hui, je mettrai le président du FASO en retrait pendant 6 mois, comme les conseillers à la communication de Mitterrand l'ont fait en 83, en mettant Mitterrand en retrait pendant 6 mois, je l'aurais fait. Mais je ne parle pas de l'hypermédiatisation du président du FASO. Je parle d'un président qui doit désormais être la véritable locomotive parce qu'il doit tirer les enseignements nécessaires de ce qui nous est arrivé pendant 6 ans. Il y a des gens qu'il a nommés, en qui il a placé toute sa confiance, qui n'ont pas fait leur travail, qui n'ont pas incarné la grandeur et la dignité de la République, qui ont conduit par leurs actions, voire même par leur inaction, le pays vers le chaos. Donc, le président de la République, le président du FASO, ne peut pas, parce qu'il a nommé un Premier ministre excellent, compétent, qui a toutes les compétences nécessaires, être en retrait. Il doit encore continuer à être la locomotive, même s'il n'est pas, il ne passe pas à la télé. D'accord. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, il ne va pas se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes, mais il doit être un peu en retrait pour impulser, via le Premier ministre, le cap à aller. On se comprend. Et donc, Barry, voilà, pour l'équipe, est-ce qu'on doit encore attendre? Je trouve même qu'on a trop attendu pour avoir le Premier ministre, parce que le président du FASO, on sait depuis quand même longtemps, il a en tête de changer de Premier ministre. À mon avis, lorsqu'il a décidé de démettre donc le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, abiré de sa fonction, même si ce n'est pas le mot qui sied, et on devrait, à partir de ce décret, avoir un deuxième décret qui fixe donc la nomination du nouveau Premier ministre. On ne l'a pas eu 24 heures après, on ne l'a pas eu 48 heures après, pour avoir dans un pays qui est en train où des villages et des villes sont en train de tomber chaque jour. Je pense qu'on a trop traîné. Évidemment, aujourd'hui, il est important que le président du FASO, comme je l'ai dit, soit la véritable locomotive et qu'il puisse aller très vite dans la formation du nouveau gouvernement qui devrait donc arriver d'ici dimanche. Je vais quand même une minute. Allez-y. Je suis d'accord effectivement avec Bayeri. Là, au moins, effectivement, pour moi, personnellement, je pense que le 25 novembre, son allocution nocturne, il devait dissoudre le gouvernement et les Burkinabés allaient se réveiller le matin groggy, mais avec une décision forte. Parce que quand on prend Inata du 14 novembre au 8 décembre, il y a presque un mois qui s'est écoulé. On aurait dû avoir un Premier ministre et un président et un gouvernement. Parce que quand plus ça dure, plus les personnalités morales, les parents, et à ce qu'on dit, le président a dû même fermer son portable parce que son téléphone pleure à chaque remaniement ministériel, parce que entre les personnalités morales, les parents qui interviennent pour que X ou Y ministre reste à leur poste ou change de poste, souvent la décision n'est pas sereine. Donc, je pense que les un mois, ça a été de trop et on risque encore,
peut-être que je me trompe, de se retrouver avec des ministres qu'on va forcer à maintenir alors qu'ils ne font pas l'affaire. Donc, espérons peut-être que le week-end puisse donner à réfléchir. Bon, Barry a donné dans deux jours, une semaine. On est le nouveau gouvernement. Enfin, je vais dire, il ne s'agit pas d'informations exclusives. Il s'agit de l'exigence du temps. L'heure est grave. Le Burkina ne peut pas se permettre de faire 24 heures sans gouvernement parce que le pays vit la pire crise de son histoire. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la survie du pays qui est en jeu. C'est une affaire de politique. La survie du pays est en jeu. On ne peut pas faire 24 heures encore sans un gouvernement parce que l'urgence est signalée chaque instant de la vie. Voilà, merci à tous les deux d'être venus pour ce décryptage. Je rappelle que Dieudonné Zungrana est analyste politique et éditorialiste et Abdoulaye Barry est journaliste indépendant et éditorialiste. Et on était en train de décrypter la nomination du tout nouveau Premier ministre du Burkina Faso en la personne de Lassina Zerbo, secrétaire exécutif émérite de la commission préparatoire des notices. Merci à vous pour votre attention à cette émission et à la prochaine pour d'autres échanges, certainement sur la vie de la nation. Merci et à bientôt. Merci.